carnet d'une autre là. Ce matin, en arrivant au collège, je n'avais pas mon carnet. Stress total. Le gérant me réclame mon carnet, très angoissé, je lui dis que je ne l'ai pas. Mais il me réclame mon nom, ma classe. Au lieu de 15h, ce soir, je resterai jusqu'à 17h30, c'est la règle. Ce matin, vraiment, tout allait de travers. Allez, dépêche-toi, entre. Va t'asseoir. Bon, Jean, qu'est-ce que vous attendez pour vous asseoir? C'est les immeubles, il va falloir que je m'assois. Et maintenant, c'était l'heure de la cantine. Bonjour. La classe, s'il te plaît. Ton nom de famille? Et ton prénom? Très bien. Merci. Plus, tout le monde se moquait de moi. Entrez. Finalement, tout ça n'était qu'un cauchemar. En fait, quand je suis arrivée au collège, j'avais bien mon carnet. Donc ce soir, je pourrais sortir à l'heure comme les autres. Je suis contente en classe, j'aime bien les profs, ils sont plus gentils que dans mes cauchemars. Tous mes camarades sont plutôt sympas et quand j'ai un problème avec l'un d'eux, il y a toujours un adulte prêt à m'aider. Les premiers temps dans la cour au collège, c'est stressant car il y a beaucoup de gens qu'on ne connaît pas, mais je me suis fait plein de nouveaux amis. Les adultes du collège sont là pour nous protéger, nous aider à progresser. Moi, je les respecte, je travaille en classe et du coup, tout le monde est gentil avec moi.